Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler, sans trop rentrer dans les détails, du système astronomique d'unités. Ou les unités qu'on utilise en astronomie. Voilà. Et oui, parce qu'en général, les distances sont assez grandes entre chaque objet céleste. Donc, pour éviter de dire qu'Antarès se trouve à 500 millions de milliards de kilomètres, on dira plutôt qu'il se trouve à 600 années-lumière. Ou encore 37 945 307,29 UA. Ou encore 183,96 parsec. Explication. Je ne vais pas vous parler du kilomètre, vous êtes censé savoir ce que c'est. Nous allons donc commencer par l'année-lumière. Comme vous vous en doutez, l'unité année-lumière, notée AL, a un rapport avec la vitesse de la lumière. Bravo! On peut aussi la trouver écrite AL ou AL, et aussi le symbole anglophone LY pour light year. Une année-lumière correspond donc au nombre de kilomètres parcourus par un photon, ou la lumière si vous préférez, dans le vide pendant une année. Je précise, une année julienne, soit 365,25 jours. Une année-lumière correspond donc à plus de 9000 milliards de kilomètres. C'est grand. Mais cette unité-là n'est utilisée que par les débutants, car facilement accessible au grand public. Les astronomes professionnels préfèrent, eux, utiliser le parsec. On y reviendra plus tard. Parlons maintenant de l'unité astronomique. Ah si, ça s'appelle comme ça, je vous jure. L'unité astronomique, aussi notée UA, correspond à la distance approximative qui sépare la Terre du Soleil. Oui, je sais, c'est pas l'échelle. Une unité astronomique est donc égale à 149 797 870 km. Attaquons-nous au parsec. Le mot parsec, noté PC, est un mot valise emprunté à l'anglais et fait à partir des mots parallaxe et seconde. Voilà. Selon l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, la définition de parsec est la suivante. Le parsec est défini comme valant exactement 648 000 sur pi, unité astronomique. Je vais vous épargner le calcul. En gros, cela équivaut approximativement à 3,2616 années-lumière. Soit quasiment 31 000 milliards de kilomètres. Oui, on n'est plus à 200 milliards près là. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif donc avec les kilomètres, les années-lumière, les unités astronomiques et les parsecs. Voilà. Donc vous pouvez le regarder, allez-y. Au pire, mettez pause parce que là je me fais chier en fait. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, elle vous aura éclairé sur les unités utilisées en astronomie. Cette vidéo est un peu courte, il est vrai, je ne suis pas rentré dans les détails, tout simplement parce que j'ai une autre vidéo en cours de préparation, une vidéo en collaboration avec un autre youtubeur, voilà, je l'ai dit, tant pis, j'ai pas dit le nom. Je mettrai le lien ici quand elle sortira, comme ça vous pourrez aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, c'est super encourageant pour moi. Et pour les autres, il faut faire pareil. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus. Ciao.